C'est une histoire qui prend racine au fin fond du fin fond de la Nouvelle-Orléans, la ville de la musique et de la fête, la ville du jazz, des nuits blanches et de la magie noire. Une ville qui cache ses secrets les plus sombres, ses légendes les plus étranges. C'est au fin fond du fin fond de la Nouvelle-Orléans que commence cette histoire, l'histoire de Rouge et du Loup Vaudou. Comment ne l'avait-il pas remarqué avant, au milieu de cette multitude de noirs et de blancs? Sans même s'en rendre compte, il souffle dans son trombone et se met à jouer. Maman Brigitte est là. Elle se lève. Elle avance en direction de Rouge. Elle ouvre la gueule et dit: je vais te manger ta gurgitette, boulotette, grignotette, dégustette, savourée. C'est plus fort que moi, je voudrais pas faire ça. C'est une vraie torture, mais c'est dans ma nature. Car le savez-vous, après tout je suis un loup. C'est moi le loup vaudou. Mais les loups vaudous sont pleins de finesse, ils savent vous manger avec délicatesse. Pour vous dévorer, ils ont un tas d'idées. Voici comment ils pourraient vous cuisiner. Je te mettrai dans une cocotte, agrémentée de deux ou trois carottes, un bouquet de persil, un soupçon d'aioli et une larme de Bordeaux. Un petit peu, mais pas trop, je te laisserai mijoter dans le four à 200 degrés. Je vais te manger, c'est plus fort que moi. Faire ça, c'est une vraie torture, mais c'est dans ma nature. Car le savez-vous, après tout, je suis un loup. C'est moi, le loup vaudou. Mais comme le loup n'a rien pour cuisiner, ni casserole, ni poêlon, rien pour la fricasser, il bondit tout à coup sur la pauvre enfant, n'en faisant qu'une bouchée, la dévore entièrement. Shut up.